L'autre star du G7, c'est lui. Pendant le sommet, ce vélo fonctionnant à l'hydrogène va sillonner les rues de Biarritz. 200 sont mis à disposition des journalistes présents sur place pour faciliter leur déplacement. L'opération est financée par le groupe Engie, qui loue les vélos à hydrogène pour l'occasion, des vélos qui ne sont pas disponibles à la vente. Si je vous loue le vélo pour 12 mois, 24 mois, 36 mois, d'une part, je vais être capable de vous proposer une valeur économique intéressante parce que la mensualité est faible, mais surtout, à la fin de votre location longue durée, je récupère le vélo et je peux réutiliser des composants, recycler ce que je ne peux pas réutiliser, je maîtrise la fin de vie. C'est extrêmement important pour l'empreinte carbone. Ce vélo Made in Biarritz a deux points forts, une autonomie de 150 km et un temps de recharge de quelques minutes seulement. Il est le seul vélo à hydrogène commercialisé dans le monde.